Les livres, Josiane Savigno. Bonjour, eh bien, je vais vous parler de musique. Je crois qu'on en a bien besoin en ce moment. J'ai choisi un livre à la fois savant, il a 15 pages de bibliographie, et très agréable à lire parce que très bien écrit et très personnel. Il s'appelle « La musique minimaliste », c'est de Renaud Machard et c'est aux éditions Actes Sud. Alors vous avez, comme souvent avec les regroupements sous une étiquette, le nouveau roman par exemple pour la littérature, ceux qu'on appelle les minimalistes, contestent cette étiquette. Néanmoins, ils existent, en particulier Philip Glass, dont Einstein on the Beach vient d'être monté à Paris avec un très grand succès, 3 soirées complètement pleines, Steve Reich et John Adams. Renaud Machard, qui a déjà consacré un livre entier à John Adams, a fait des analyses très pertinentes de leur travail à tous les trois. Et puis, surtout dans un chapitre qui s'appelle « La lyre et la palette », il explore les relations entre ses compositeurs et avec les plasticiens, notamment Philip Glass et Richard Serra. C'est très, très intéressant. Et c'est toute la deuxième partie du livre qui est aussi très intéressante, qui s'appelle « Ancêtres, cousins et héritiers ». Elle montre avec précision des héritages et des filiations. Alors, comme j'aime bien le faire, je vais vous lire un petit passage qui, j'espère, vous donnera vraiment envie de lire cette musique minimaliste, qui est pas du tout rébarbative. C'est de Renaud Machard. Vous apprendrez beaucoup de choses sans jamais vous ennuyer. Donc, je vous lis un petit peu. En dépit de cet affadissement de la saveur et de la vitalité première de cette musique, qui a aussi été qualifiée à ses débuts de musique de transe ou de musique hypnotique, le minimalisme, dans toutes ses composantes, s'impose comme le produit d'une des périodes d'évolution du langage musical les plus passionnantes et riches de l'histoire de la musique occidentale. Par sa nature profondément nord-américaine et donc a priori anti-européenne, même si, on l'a vu, de nombreux compositeurs européens s'y identifient, elle aura de surcroît pénétré et influencé profondément de nombreuses autres sphères et pratiques musicales contemporaines. En tout état de cause, on dira que l'immense vertu du legs minimaliste est d'avoir fait souffler un vent frais sur la création musicale et de l'avoir à nouveau connecté à un vaste public. Alors si vous voulez découvrir les minimalistes et vous réjouir, c'est chez Actes Sud et c'est Renaud Machard, musique minimaliste.